Finances, transports, tourisme, soins de santé. Quelle industrie, des services pour stimuler la performance des économies africaines? Experts, décideurs, entrepreneurs ont réfléchi à la question durant 2 jours dans le cadre de la 12e édition de la CGC Academy. Le choix de la problématique de l'industrie des services comme thème central de la CGC Academy 2024 est en résonance avec l'environnement et les enjeux économiques actuels, de l'avis de nombreux observateurs. Les services accompagnent nécessairement l'industrie. Donc je pense que le choix était judicieux de faire toute la place à ce secteur. Ce n'est pas décorrélé de la réalité, c'est dans l'air du temps. Et aujourd'hui, l'Afrique a besoin, et surtout la Côte d'Ivoire, a besoin de capitaliser sur un vivier d'acteurs au niveau de ces différents services, parce que l'activité de service est assez large. C'est d'ailleurs du monde de l'industrie des services que sort le grand prix de la Business Plan Competition. Il s'agit de l'entreprise Humed, spécialisée dans la médecine à domicile. Nous permettons à tous les habitants d'Abidjan, à travers un numéro de téléphone ou bien notre site internet et un seul appel, de pouvoir bénéficier des soins de santé dans le confort de leur maison, sans avoir à se déplacer, et une qualité de service qui est offerte par des prestataires qui sont bien formés et donc qui permettent à tout le monde d'avoir accès à des soins de qualité. La présence du président de la République à la cérémonie d'ouverture de la CGC Academy 2024 est interprétée par de nombreux observateurs comme une volonté politique de réunir les ingrédients pour l'émergence de jeunes entrepreneurs et surtout de champions nationaux. Le Salon international des ressources extractives et énergétiques 2024 séduit plus d'un. Visiblement impressionné, le président de l'Assemblée nationale, Adama Big Togo, visite des attractions. À noter les forgerons traditionnels venus de Koni, dans la région nord du pays, une maison solaire dont l'architecture est conçue pour profiter au maximum de l'énergie du soleil, plusieurs stands d'entreprises, notamment la Société de gestion des stocks pétroliers, Gestoci, la Société pour le développement minier, Sodemi, et autres firmes internationales. Je voudrais exprimer toute notre fierté de l'organisation de ce premier salon par le ministre Sangafwa Koulibaly, qui vient, par l'organisation de ce salon, de mettre en œuvre la vision du président Alassane Ouattara. On vient, tous les Ivoiriens, de découvrir, et là je suis accompagné d'une forte délégation de députés, nous qui sommes les représentants du peuple. C'est avec beaucoup de fierté que nous découvrons à travers donc ce salon que la Côte d'Ivoire a un potentiel riche en mines, en énergie, et que nous pouvons nous projeter vers l'avenir en se disant il y a un autre miracle pour la Côte d'Ivoire, et ce miracle passe donc par les mines, par l'énergie. Ouvert le 27 novembre dernier, le Salon international des ressources extractives et énergétiques 2024 va s'achever le 2 décembre prochain. Thème retenu pour cette toute première édition, développement durable des industries extractives et énergétiques, quelle politique et stratégie ? Décideurs politiques, scientifiques, chefs d'entreprise et autres parties prenantes réunis à Abidjan pendant 5 jours dans le cadre de la 14e conférence de l'Association africaine de télédétection de l'environnement. And then we also are trying to look at what are the... La présente conférence a pour but d'examiner les difficultés de l'Afrique à mettre en œuvre les technologies de la détection et à trouver donc des solutions pour le développement durable de l'ensemble des pays de l'Afrique. Changement climatique, gestion durable des terres, crise alimentaire, pression démographique croissante, le continent est confronté à des défis, d'où le choix du thème « Observation de la Terre, pilier du développement durable ». Dans ce contexte, l'observation de la Terre s'impose comme un outil stratégique. Grâce aux données géospatiales et aux technologies de la télédétection, nous pouvons mieux comprendre les dynamiques environnementales et anticiper les crises et prendre des décisions éclairées pour un développement durable. En Afrique, les potentialités de l'observation de la terre sont immenses. Dans l'agriculture, elle permet d'optimiser les rendements, anticiper les sécheresses et assurer
la sécurité alimentaire. Dans la gestion des ressources en eau, elle permet également de surveiller les nappes phréatiques, prévenir les inondations et garantir un accès équitable à cette ressource vitale. Dans la lutte contre la déforestation et la dégradation des terres, l'observation de la terre permet d'identifier les zones vulnérables et à renforcer les stratégies de restauration. Pour le ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique, Jacques Assaoré-Conan, cette rencontre d'Abidjan est donc une plateforme essentielle pour partager des expériences et élaborer des stratégies communes.